Qu'est-ce que j'aimerais voir sur une chaîne de ce type, c'est trouver les systèmes pour dire voilà, on peut avoir des actualités, donc saisir les actualités donc qui peuvent être importantes dans telle ou telle progression de la science. Et puis également, y a des thématiques qui ne sont pas souvent traitées. Bon, c'est vrai que je suis dans les sciences biologiques, je vais peut-être être un peu plus axée là-dessus. Il y a tout un, par exemple, des documentaires sur toutes les relations, donc les chaînes alimentaires qui se mettent en place du plus petit animal, souvent qu'on ne veut pas regarder, hein, et qui sont hyper importants, jusqu'à toute la chaîne alimentaire qui peut se mettre derrière. Et l'importance qu'il y a de pouvoir garder un peu tous ces maillons. Ça serait vraiment intéressant d'avoir en fait un documentaire de ce type. Ou aussi, il y a d'ailleurs eu une exposition il n'y a pas longtemps en fait au muséum sur la nuit, ce qui se passe la nuit. Je pense que maintenant, avec les techniques qu'on peut avoir d'observation et de film, hein, de tournage, avec une lumière particulière au niveau de la nuit, ça serait un monde complètement fascinant à découvrir et vraiment, vraiment à explorer, quoi. Donc ça peut être intéressant en fait d'avoir ces éléments-là. Et avec derrière d'autres documentaires qui pourraient être, voilà, on saisit ça et qu'est-ce que l'homme peut justement en faire, tout ce qui est aspect bionique, biomimétisme, ça c'est aussi vachement intéressant comme support, hein, et comme sujet à traiter dans ce type de chaîne, quoi.